Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mikoupa et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau niveau dans l'arrêt d'or. Conseil de grimpe faible ou peu juste d'énergie, sauter des murs ne consomme aucune endurance. Ouais, enfin, ça ensemble, non, c'est 1000 endurance illimitée. Et honnêtement, je regretterai jamais ça parce que putain, ce que c'est bien en illimité. Ouais. Oh, une boule. Ouais. T'as quoi à me dire, toi? Ma chère Carbo. Bah, dis-moi un truc, connard. Oh. Oh, super, encore vous. Tiens donc, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je suis contente que tu sois encore un seul morceau. Je vois que tu as réussi à franchir l'antenne. As-tu rencontré Monsieur Oshiro? Ah, ça, on peut dire que je l'ai rencontré. Il m'a chassé de là-bas, alors que j'avais fait plein de ménage pour lui. On dirait que tu t'es amusé ce matin. Oshiro est une âme perdue, ma chère. Cet endroit est plus qu'un simple hôtel pour lui. Tu devrais l'oublier. Vous savez ce que je crois? Je crois que cette montagne vous a rendu fous tous les deux. Tu sais, tu n'es pas la première personne à dire ça. Tu as peut-être raison. Comment savoir si je suis folle? Selon moi, la montagne ne peut faire ressortir que ce qui existe déjà en toi. Mais il faut déjà être un peu fêlé rien que pour venir vivre ici, pas vrai? De quoi est-ce que vous parlez? Oh, je radote comme la vieille bique que je suis. Es-tu prête à abandonner? Je connais un raccourci qui te ramènera à ta voiture. N'y comptez pas, madame. J'irai jusqu'au sommet. Il est parfois difficile de faire la différence entre obstination et détermination, n'est-ce pas? Tu me fais penser à moi quand j'étais jeune. Bonne chance et fais attention au vent. Ah, quelle conne! Vous ne recevez pas beaucoup de visites par ici, n'est-ce pas? Non, on ne voit pas grand monde. Mais la solitude ne me dérange pas. Il m'arrive aussi de penser que je devrais vivre seul. Et en tentant de communiquer avec Monsieur Shiro, je voulais l'aider. Oshiro devrait quitter cet hôtel. Mais ça n'arrivera pas tant que tu seras ici. Et que tu aies quelque chose à prouver, n'arrange rien. Vous ne vous sentez pas seul dans cette petite cabane? J'ai des amis, ma chère. Je suis peut-être folle, mais je ne suis pas ermite. Désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Quand j'étais jeune, je n'imaginais pas rester si longtemps dans un même endroit. Mais j'ai découvert cette montagne. J'ai tout de suite su que j'ai trouvé mon chez-moi. Qu'a-t-elle de si spécial? La montagne montre qui tu es vraiment. Que tu sois prête pour ça ou pas, elle me permet de rester honnête. Et c'était le dernier dialogue. Bon, elle est violente seulement, ce vent, putain de merde. Bon, on a juste à faire ça et le vent n'aura aucun impact sur nous. Mais vu que je suis un connard, je vous rappelle que on va prendre un petit fraise. Non, un petit fraise. C'est très marrant. Ouais. Ah, c'est vrai, il y a un film d'horreur sur Winnie l'ourson qui a été fait. Ouais, c'est très bizarre. Ah, trophée obtenu, badge fraise. Ah oui, et je crois que je gagne un autre trophée quand j'aurai 100 fraises, un truc comme ça. Bon, bah on va profiter à en prendre, hein. Là, c'est parce que j'en ai 30. Quand on en a 100, je pense que... Mais je crois que avoir 100 fraises, c'est peut-être le max. Enfin, je pense pas, hein, mais... Oh... Musique cool. T'encules le vent, espèce de grosse salope. Oh. Ah. C'est bon,
Bon, sinon il allait jamais être comptabilisé. Oh, un endroit pas beau. Un bel endroit. Ok, bon. Ouais. Putain, peut-être que ce niveau sera beaucoup plus rapide que les autres, hein, avec de la chance. On devrait quand même prendre le petit fraise. Voilà, masse fraise. Hop, 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 poup, poup, poup. Ça sert à rien, hein, ça. Poup, poup, poup. Je vois pas à quoi ça sert, mais vas-y, hein. Ah, là, c'est bien, on va pouvoir... Ouais... Hop, 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 hop. Hop. Ah putain. Ah, j'ai mal aux yeux. Putain, c'est chaud là. Même pour moi là, même en mode invincible, ça devient dur. C'est un peu dommage, mais en même temps, tant mieux. Disons que ça me donne un mini challenge même avec le mode invincible. Hein. Putain, on a récupéré plein de fraises. Hein. Bon, en même temps, peut-être parce qu'elles sont toutes visibles, contrairement aux autres niveaux où elles étaient un peu cachées. Ah putain. Ah putain, je ressens le vent là. Oh. Yeah, yeah. Ah bah voilà, enfin la suite. Madeline, attends-moi. Théo, ouais, forcément. Là, logiquement, t'es grave blessé ou mort. Dans le milieu. Théo, tu vas bien? Ouais. Une minute. Là, vraiment, soit t'as les jambes pétées, soit tu t'es pété la gueule et t'es mort. Une nacelle, j'ai toujours rêvé d'en faire. Elle n'a pas l'air toute jeune, mais elle fonctionne peut-être encore. Je ne vois pas d'autre moyen de franchir ce gouffre. Allons-y. Ce levier a l'air important. Ça marche à tous les coups. J'ai sûrement été pilote de nacelle dans une autre vie. Tu crois que c'est sûr? Je suis sûr que tout ira bien. Moi, je suis sûr qu'il y a un truc qui va mal se passer dès maintenant. Comment ça s'est passé avec Oshiro? Tu avais raison, je n'aurais pas dû tenter de l'aider. J'aime pas rappeler que je te l'avais dit, mais... Ouais, ouais, c'est bon, j'aurais dû t'écouter.
Tu n'es pas blessé, c'est le plus important. L'air est tellement bizarre, cette aptitude. J'arrive à peine à respirer. Bon, si on ne fait pas un selfie dans ce truc, on va le regretter. On ne voit même pas le sol à travers cette brume. On a quelle altitude? Moins de panique, plus de pause. Qu'est-ce que c'était? On dirait que ça est arrêté. Ah, j'avais pas fait attention, elle est là-haut. Très mauvaise nouvelle. Peut-être que si je... Oh. Bon, ça ne passe pas bien. Non, ça ne passe pas bien du tout. Madeline, ça va? Ouais, c'est juste que... Non, ça ne va pas. Je n'arrive pas à respirer. Tu fais une crise de panique? Comment tu pensais que monter dans cet endroit stupide était une bonne idée? Allez, ne t'en prends pas à moi. Fais-moi confiance. Mon grand-père m'a appris un truc pour ça. Ferme les yeux. On voit une plume qui flotte devant toi. Tu vois? Ok. Ta respiration fait flotter cette plume. Continue de respirer calmement. Inspire, expire. Ah merde, c'est à moi de le faire, ok! Par contre, faut que je fasse quoi là pour... Attends, mais il se passe quoi là? Faut que je fasse quoi? Ok. Faut qu'on reste avec la plume, je suppose, dans le cadre. Ah, les bâtards, ils veulent me la mettre à l'envers. Yes, on a réussi. Plume. Ouais, bizarre, hein. Tu vois, ça marche à tous les coups. Oh, on est arrivé. Tu te sens mieux? Je crois. Merci de m'avoir aidé à me calmer. Comment tu sais qu'on allait repartir? Oh, je pensais vraiment qu'on était cuit. Oh mon dieu, mais regarde ce selfie. Et le niveau il se termine sur ça, sérieusement? Non, quand même pas. Ah si. Trophée obtenu, respirer. Bonne d'enfoiré. Ah. Bon, alors, vu qu'on est à 14 minutes, ce qui est très... ce qui est rien, je sais pas. J'avoue que là, j'ai pas d'idée. D'un côté, j'ai envie qu'on continue, d'un autre, j'ai envie qu'on s'arrête là. Non, vas-y, on continue le niveau. Le temple miroir. Oh putain, on va l'avoir, la méchante Madeline. Vous savez, la plupart des accidents de montagne sont dus à la fatigue régulière. Ouais, genre coupe ton jeu et reviens après. Non, vas-y, on le fait. Mais on va essayer de vraiment speedrunner le niveau là, hein, vraiment. Oh, regarde un peu cet endroit. Tu as envie d'aventure? Je ne sais pas trop. On dirait qu'il fait bien noir là-dedans. C'est plus un cauchemar. C'est plus un cauchemar qu'une aventure. Je vais jeter un œil et prendre quelques photos. Cet endroit doit être ancien. Théo, attends!
Les abonnés à Astapix vont se régaler. Ça va forcément mal finir. Bah déjà qu'il fait tout noir, alors ouais, c'est sûr que ça va mal finir. Quoi ? Ah ! Je vois. Oh oh. C'est le téléphone de Théo. Pas de panique, Madeline. Il est peut-être simplement tombé de sa poche. Je lui rendrai quand je le retrouverai. Ah non, en fait, fallait pas faire ça. Yes. So really cool. Hop. Ah d'accord. Ok. Ah. D'accord. Ah, il y a une clé à prendre, d'accord. J'avoue que là j'ai pas trop d'idées. Enfin, est-ce qu'on doit monter là-haut? Non, y a rien. Oula. D'accord, c'était bien ici. Let's go. Voilà. Madeline, salut. Que fais-tu à l'intérieur d'un miroir? Je dirais plutôt que c'est toi qui es dans le miroir. Que s'est-il passé? Eh bien, je faisais un selfie du miroir, tranquille, tu vois, du genre, c'est le gars, t'es où dans un vieux temps, rien de méchant. Hashtag bien heureux. Bonne d'enfoiré. Et quand je me suis réveillé, j'étais étendu au sol. Ça ressemble à quoi, là où tu es? Comment puis-je te trouver? C'est... très sombre et bizarre, il y a... Attends, il y a un truc qui vient. Je me sens très tenté de fuir. Sois prudent, d'accord? Pam! C'est normal qu'on voit que dalle. Ouais. Attendez quand même avant. Ah ok, on peut pas. Yes, on l'a eu. Let's go.
Là, je suis content. Quoi cet endroit? Attendez, on va quand même tout allumer là parce que bon, c'est étrange. Moi je pense qu'il faut passer par là. Hein. Hop hop hop, c'est réglé. Yay! Allez, maintenant on se barre de ce côté, je suppose, ouais. Évidemment. Mais il y a une clé que j'ai raté où? Bon bah du coup je suppose qu'on doit tous retaper de ce côté là. Ah bah ouais, il y a plein de trucs qu'on n'a pas découvert là. Alors c'est sympa hein, de me ramener ici pour un truc, mais bon... Ok. Ah, enfin de la lumière et de la vraie, bordel. Ça fait du bien. Ouais. Ah. Je viens de faire quoi là? Ah d'accord. Putain, juste pour ça? Enfin, je dis pas, hein, c'est sympa, mais bon, honnêtement. BAM! Phase B débloquée. Bon bah... Ouais, ça servait un peu à rien.
Bah non, non, ça sert à rien. Putain, je suis paumé là. Oh. Peut-être que là... Ah non, mais on est déjà venu là en plus. Putain, mais d'où cette connasse de clé? Ah, peut-être que là... Bah oui, voilà. L'endroit le plus con possible, c'est là où il y a les clés, hein, forcément. Ok, c'était pour pas... Attendez, mais il se passe quoi là-haut, là? Ok. Ouais, voilà, c'était ici. Parfait. Oh, et puis merde, allez hop, on saute comme ça, comme un petit lapin. Oups. Merde, mauvais endroit là du coup. Hop, 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 poup. Ouais. Ouais, de toute façon, je pense que c'était là qu'il fallait venir, hein, dans tous les cas. Paf. Oh, un grand miroir. Non ! Non ! Non ! Ah ! Là, c'est bizarre. Ah, mais on est ce truc de merde, ok. D'accord, donc faut faire une sorte de route pour Madeline, je suppose. Regarde, hein, si jamais il y a un autre truc. Bon. Je rêve où je viens de me tuer. Ah non, même pas. Oh. Hé, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu as fait, Théo? Tu me crois responsable? C'est mignon, ma chère, je t'avais pourtant bien prévenu. N'essaye pas de me mettre ça sur le dos. Tu ne comprends toujours pas. C'est la montagne qui m'a donné ce corps. Mais je suis pas la seule chose effrayante qui vit dans ta pauvre tête en vrac. Tu n'aimes pas ce que tu vois? Quelle surprise. Tais-toi. J'ai essayé de t'arrêter. Regarde dans le miroir, tout ça est à toi. Cette tombe ne fait qu'amplifier le pouvoir de la montagne. C'est toi qui contrôles ici, pas moi.
Je ne te crois pas. Si tu es une partie de moi, pourquoi vouloir me faire du mal? Pauvre Madeline, toujours la victime. Je te protège comme un bébé, c'est pour ça que tu me hais. Tu pars à volo et tu le sais. Je sais pas ce que ça veut dire. Si tu te soucies de tant de me protéger, pourquoi ne pas m'avoir expliqué ce qui se passe? Et tu m'aurais écouté? Tu ne m'écoutes jamais. Ouais. S'il te plaît, aide-moi à sortir d'ici. Maintenant, tu veux que je te sauve? Pourquoi suis-tu aussi? Je suis plutôt à mes côtés, s'il te plaît. Cesse de me faire passer pour un monstre. Tu veux vraiment savoir pourquoi je t'aiderai pas? Parce que tu mérites ce qui t'arrive. Tu crois toujours pouvoir gravir cette montagne? La ferme! Je n'ai pas besoin de ton aide. Je me débrouille toute seule. Ouais, enfin, toute seule, t'as quand même mon aide, hein. Donc, ta gueule. Putain, doit avoir un passé sombre, Madeline, hein. Franchement. Ah. Hop, il s'est cassé la gueule, le con. Hop. Ah, c'est un truc pour se protéger. Ah, sûrement. Oh putain, ça devient intéressant là le jeu. Ça y est, on passe enfin à des trucs intéressants. Hop, 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 hop. Voilà, merde. Ah bah alors là. Oh, je vais pas me faire chier à être... Non, là, ça y est, merde. Hein. Ça prend trop de temps. Putain, le niveau, il a pris plus de temps que ce que je pensais. Bah du coup, oui, hein, je regrette un peu de... l'avoir fait, mais en même temps, je regrette pas trop parce que, bah, il est grave bien. Le pire c'est que je fais tout ça alors que ça sert à rien, genre, enfin si, parce que si ça fait un peu ouais, compliqué. Théo, Dieu merci, je t'ai trouvé. Madeline, waouh, je suis content de te voir. Tout va bien? Ouais, tout va bien. J'ai juste été prisonnier dans ce truc en cristal pendant une éternité. As-tu l'impression que cet endroit te connaît mieux que tu ne te connais toi-même? Ouais. Je suis tellement gêné que tu aies vu cette facette de moi. J'ai essayé de t'arrêter. J'espère que cette vie en valait le coup. Mais cette vie vaut toujours le coup, l'ami. Je ne devrais pas m'énerver, ce n'est pas ta faute. Je suis contente que tu n'aies rien, mais tu es enfermé ici par ma faute. Et maintenant, ce temple te montre comment je suis vraiment. Je suis horrible. On est ensemble sur ce coup-là. Ne t'en fais pas, comme si tu étais responsable de tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne m'as pas enfermé dans ce cristal. C'est vrai, ces monstres viennent de toi, mais le temple se forme autour de moi aussi. Je peux le sentir. Si tu m'observes, et ce cristal vient de moi, je le sais. N'aime pas réclamer, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. Ok, je suis là pour t'aider. Je vais te pousser hors de cette chose et on s'échappe par exemple dès que j'aurai trouvé un moyen de te rejoindre. Madeline, tu es mon seul espoir maintenant. J'ai confiance en toi, vraiment. J'espère que ce n'est pas une erreur. Si le temps te montre qui je suis vraiment, alors je mérite tout ça, non? Alex, arrête d'être si dur avec toi-même. Alex?
quoi, Alex? Pardon, je voulais dire Madeline. Mais ce que j'ai dit reste vrai. Personne ne mérite ça et toi encore moins. Ouais, tu as raison. Ok, je peux y arriver. Oh les bâtards! Non! Mais vous êtes des enfoirés, les mecs! Genre, je suis vraiment obligé de tout me retaper là? Mais vous êtes des enflures! Ta gueule, toi, tu me. C'est quoi l'intérêt de ça alors? Non, Madeline peut pas. Merde. Oh les bâtards. Que ce niveau là on va devoir le faire on va devoir le finir dans la deuxième vidéo, dans la prochaine vidéo là, parce que quand même il est long de fou. Pas que ce soit une mauvaise chose hein, mais là quand même Hop, hop, hop. Merde, du coup c'est quoi qui a été réveillé? Enfin, réveillé, réparé. Parfait, merci. Ah bah voilà, enfin, putain de merde. Bon par contre, j'avoue que je sais pas où l'utiliser. Ouais, c'est ça le problème. Ah si, c'est bon. Bah voilà, juste là. Il est où l'intérêt? Non, sérieusement, ça servait à quoi de faire ça? Non, j'espère par contre que... Ah. C'est bizarre de fou. Ah, attendez, il y a des trucs qu'on n'a pas allumés. Ah, peut-être qu'on... parce qu'on est... On était venu là, si, hein, on était venu. Ok.
Ah, ok, là on n'est jamais venu. Oh, le pauvre, il est coincé. Oh mais non, mais c'est trop méchant. Et merde. Oh non, mais tu te fous de ma gueule là. Oh, j'ai même pas réussi à la voir. Suicidez-moi. Alors, allez, on va s'avancer encore un peu, quoi. Mon dieu, cette vidéo va durer une cinquantaine de minutes, ça va être comme Red Dead Redemption, ça va être affreux. Dans tous les cas, je suis désolé, mais là, j'avoue que je suis à fond sur le niveau, hein, parce qu'il est grave intéressant, je trouve. Attendez, déjà comme ça, au moins, on active un peu la lumière. Ah, attendez, peut-être que... Mais non, mais merde. Ah. Allez, viens là, connard. Ah voilà. Oh. Ah ça y est, enfin on a trouvé. Bon, les clés ça devait être juste pour du secondaire, je pense. Théo, c'était enfin trouvé. Je savais que tu réussirais. Ouais. Ça n'a pas été simple. C'était chiant. Ces mondes viennent-ils vraiment de moi? Madeline, c'est une question légitime. Je suis ravi de discuter de la façon dont les mondes sont liés à ton fort intérieur, mais pour le moment, mon propre fort intérieur est plus que fatigué d'être prisonnier de ce cristal. Oh, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, je vais te faire sortir. Bien, c'est un bon début, mais ce cristal est comme une expression de mon énergie psychique négative ou un truc du genre. D'accord, mais comment on le casse? Si je savais pourquoi je me suis enfermé dans cette chose, je pourrais peut-être m'échapper, mais je n'en sais rien. Et je ne crois pas pouvoir commencer à le comprendre tant qu'on reste bloqué dans cette dimension cauchemardesque. Je déteste dire ça, mais tu vas peut-être devoir... Théo, n'y pense même pas. Il n'est pas question que je t'abandonne. Bien sûr que non, ne t'as pas intérêt à m'abandonner ici. Je vais dire que tu allais peut-être devoir me transporter. Oh, oui, je peux faire ça. Ah non, merde, maintenir. Ta-la-la-la-la. Mais bien sûr, tu peux me soulever. Bon, tu... Bonne d'enculé. Ah... Bien joué, tu n'as laissé aucune chance à cette porte. Oh oh, j'espère que tu sais comment t'occuper de ces trucs-là. Hop. Encore ? Allez. Allez. Est-ce qu'on va enfin finir ce niveau? Parce que bordel, il est long hein, quand même. Et il est sympa le niveau, mais il est long hein. Ah!
Bah allez vous faire enculer les mecs là, oh. Mais vous me cassez les couilles. Voilà, pour la peine. Bon, Théo, tu ne veux plus parler maintenant? Oups. Oh non, putain. Putain, c'est chaud là. Bon voilà, au moins on a trouvé, on a enfin réussi. Il faut qu'on soit proche, je le sens. Il faut où on est proche. Ah merde. Allez. Oula, là ça bug. Enfin, c'est le jeu qui est comme ça, je pense. Ah, mes yeux, tout est blanc. Ah, c'est fini, ça y est. Chapitre fini. Trophée obtenu dans le miroir. Ah, on lui a rendu son tête, du coup. Wouh, c'était long. Ah. Non. Non, on fera jamais la phase B de ce truc. C'était beaucoup trop long. Certes, le niveau était intéressant, mais vraiment, la phase B, on la fera jamais. Au pire, on le fera en stream beaucoup plus tard. Et encore, si j'ai envie de faire le jeu en stream, hein, parce que c'est pas sûr. Mais bref, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que quand même 48 minutes, c'est beaucoup. Surtout pour un jeu comme ça, hein, mais bon. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupa et puis moi je vous dis au revoir tout le monde.